Mon vrai prénom, tu veux que je te donne mon vrai prénom, ça coûte cher ça. Ah, j'ai une question. Vite fait, je regarde toi ou je regarde la caméra? Ok. Oh, freestyle. Hey. Attends, mais qu'est-ce que je peux freestyler là? Mon vrai prénom, tu veux que je te donne mon vrai prénom, ça coûte cher ça. Je veux pas. Appelez-moi Yavi. Non, mais plus sérieusement, je suis virtuose, artiste belge. Congolais d'origine, artiste gospel, faisant de la musique, de la mode et de la production. Bien sûr, comme je dis toujours, c'est de base le surnom d'un de mes grands frères de cœur qui est décédé en 2010. Et c'était un grand frère avec qui j'étais super proche. Et pour honorer sa mémoire et pour faire perdurer un peu son nom, on m'a redonné le nom dans le quartier. C'est un nom au début avec lequel j'avais du mal, mais ça va aujourd'hui, je m'y suis fait. Et la définition aussi dans le dictionnaire, être un virtuose, c'est quelqu'un qui fait les choses, surtout dans la musique, avec une grande habileté. Et je pense que c'est une manière aussi de mettre une bonne pression pour faire les choses correctement. Non, moi je ne suis jamais inspiré de quelqu'un. Moi j'ai commencé la musique parce que déjà dans ma famille c'est quelque chose d'inné. Je veux dire ma famille au sens large, parce que j'ai une grande famille, donc ma maman chante, mes soeurs chantent aussi. Mon grand-père était percussionniste, j'ai des oncles qui chantent aussi un peu, qui sont un peu percussionnistes aussi. Et moi j'ai grandi avec la musique. Et j'ai commencé la musique quand j'avais 7 ans, donc pour moi c'est une évidence sur le long terme pouvoir tirer ce talent en excellence et pouvoir en faire quelque chose de bon. Je pense que le rap c'était tout naturel, parce que quand on est petit, on a toujours envie soit d'être sportif ou être rappeur, dépendant aussi de notre environnement, des choses auxquelles on aspire. Et moi, pour moi, le rap, c'était le meilleur moyen de m'exprimer, d'extérioriser ce que j'avais sur le cœur. Et au fur et à mesure des années, ben, le rap, ça a commencé à faire partie de ma vie et j'ai fait évoluer ça dans d'autres domaines. Mais je ne suis pas que rappeur. À la base, je n'ai pas commencé dans le rap. À la base, j'ai commencé en tant que batteur. J'ai commencé d'abord à jouer à la batterie à 7 ans. Et j'ai vraiment commencé à rapper dans un groupe de rap, commencer des concerts de rappeurs à 11 ans. Puisque je faisais des concerts en tant que batteur ou en ayant 7 ans, 8 ans, etc. Mais en tant que rappeur, ma carrière elle a commencé quand j'avais 11 ans. Mais la musique, j'ai commencé à 7 ans. Aujourd'hui, je pense que j'ai rien à dire sur la rue que les gens ne savent pas. Je pense que j'ai rien à inventer ou à raconter sur ce qui se passe dans la rue que les gens n'ont jamais entendu. Mais je pense qu'il y a des histoires comme la mienne en prenant en compte que j'ai grandi à l'église, que j'étais dans la rue et que je suis revenu à l'église. Je pense que moi, je peux raconter une histoire que les gens n'ont pas entendue parce que c'est mon histoire. Et aujourd'hui, je pense pas que c'est intéressant de venir et de commencer à raconter les mêmes choses pour les mêmes gens. Parce qu'il y a des gens qui le font mieux que moi. Mais je pense que personne ne peut raconter mon histoire mieux que moi-même. Et bon, je me suis dit que c'était mieux de pouvoir lier ma relation avec lui, avec ma musique, pour que en délivrant mon message puisse être beaucoup plus sensé, beaucoup plus attrayant, et qu'en plus de ça, ma relation avec Dieu puisse aider d'autres personnes à se rapprocher de lui, du mieux qu'ils peuvent en tout cas. C'est le jugement. Quand j'ai commencé, j'étais beaucoup jugé sur mon style, sur mon apparence, sur mes choix musicaux, sur mes goûts musicaux. J'étais beaucoup jugé, tu vois. Les gens, ils n'avaient pas toujours conscience que être précurseur, c'est aussi prendre les coups et les assumer, tu vois. Moi, quand j'ai commencé, les gens, ils pensaient pas que j'étais réellement chrétien. Ils disaient que je faisais de la musique chrétienne parce que c'était plus facile que d'être un artiste séculier. Alors ils n'ont pas conscience que c'est le contraire. Être un artiste séculier, c'est beaucoup plus facile que d'être un artiste gospel. Donc c'est la plus grande contrainte que j'ai reçue. Après, Dieu merci, m'a donné les épaules assez larges pour supporter la critique, les gens qui n'étaient pas contents, les gens qui n'étaient pas d'accord. Et au final, je me dis, on ne peut pas perdre à tout le monde. Hein. Je me dis, moi, je fais ce que je fais, et ça touche les personnes que ça doit toucher. Et puis après, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, ou des gens qui ne les laissent pas. Il y a d'autres artistes qui pourront mieux répondre à leurs critères et à leurs standards. Mais moi, je pense que j'apporte aux paroles d'une génération, d'un mouvement et de certaines personnes. Et je suis fier en tout cas de ce que je fais aujourd'hui, malgré les contraintes qui sont encore un peu là par moment, à certains endroits, dans certains cadres, mais je pense que les gens qui écoutent en tout cas la musique gospel ont évolué mentalement. Et c'est déjà bien. Ah, c'est un peu bizarre, je vais dire la vérité. En tout cas, dans la musique, l'aspect que je préfère, c'est la scène. J'aime bien le studio, je passe énormément de temps au studio, mes proches pourraient le confirmer. Mais ce que j'aime le plus, c'est la scène. Et parce que je pense que être sur scène, en fait, c'est le moment où tu peux mieux extérioriser ton énergie et tu peux surtout faire entrer les gens dans ton univers. Parce qu'il y a des gens qui peut-être peuvent t'écouter pendant des années, mais n'ont jamais l'occasion de te rencontrer. Le fait de te voir sur scène, c'est la première fois qu'ils te voient, qu'ils te voient physiquement, à quoi tu ressembles. Et ils ont besoin aussi de ressentir l'énergie dans laquelle tu étais au moment où tu n'étais pas en train de composer la chanson que tu es en train de faire. Ou peut-être que même simplement en leur donnant un endroit, ils peuvent passer un très très bon moment, tu vois. Donc moi, pour ma part, quand je monte sur scène, je me dis, ben, il faut qu'au moment de la prestation, si je ne devrais plus en avoir après cette prestation, ben, que les gens qui étaient là, ils disent qu'il est venu et il a tout donné. Parce que j'imagine que les gens qui viennent à des événements, ils payent leur place, ils se déplacent. Il y en a qui ont faim, il y en a qui ont soif, il y en a qui viennent parfois dans des conditions qu'on ne sait pas. Et je pense que juste pour ça, il faut faire les
choses correctement pour que les gens qui viennent aussi sentent qu'ils ne sont pas venus à perte et qu'ils sont venus passer un bon moment. Et donc, du coup, moi, c'est un peu tout ça qui passe dans ma tête. Et quand je suis sur scène, j'oublie tout. J'oublie ce que je suis, j'oublie ma douleur, mes craintes. Parce que des fois, c'est avant de monter du coup sur scène, tu as des petites appréhensions. Tu vois, tu dis, je sais pas si le public va être chaud, si le public va être réceptif. Bah, par exemple, avant de monter au FG Jobs, je me demandais un peu comment ça allait être. Parce que c'est la première fois que j'allais me retrouver à Kinshasa sur scène. Donc, je me demandais, ah ouais, comment ça va se passer et tout. Des petites appréhensions. Mais à partir du moment où je me depuis sur la scène, je me mets tout et je me dis, je fais ce que je fais. Donc, voilà. Ce que j'en pense déjà, c'est que le rap gospel, ou le gospel en général, il a bien évolué. Je pense que ce qui a fait aussi évoluer la musique, c'est les mentalités. Parce que au début, les gens étaient dans des mentalités trop fermées, je trouve. Je pense aussi. Les gens étaient dans des mentalités très fermées, ils avaient peur d'expérimenter certaines choses. Et aujourd'hui, je suis content de voir que déjà dans le rap gospel, ou même dans le gospel tout court, dans le gospel urbain, il y a beaucoup plus de personnes qui arrivent à s'exprimer. Il y a beaucoup plus d'artistes qui prennent des risques, qui se présentent. Et je pense que le mouvement il devient de plus en plus grand. Ça, c'est très très bien. Et les artistes avec lesquels je veux collaborer, moi, je ne suis pas vraiment en collaboration. Je sais que je ne collabore pas beaucoup parce que j'avais d'abord besoin de temps de vraiment proposer les diverses idées que j'avais en tête. Et puis, moi, je peux faire mon collaboration si vous voulez faire un fin avec moi, écrivez-moi un DM. Bien sûr que j'ai remarqué parce que c'est moi qui le fais, donc je sais que j'évolue. Après, je pense que, comme je te dis, j'ai commencé à rapper dans un groupe, donc j'ai commencé comme ça en tant que rappeur et puis j'avais 11 ans. Là, tu me donnes quel âge? Tu me donnes 23? J'ai pas 23 ans, bientôt 30 ans. Je ne vais pas dire, je comprends, mais bientôt. Et entre temps, j'ai vu beaucoup de choses passer, tu vois, dans la musique, comment les gens évoluaient, comment les gens réfléchissaient. Et parfois, je pense que les gens doivent savoir qu'un artiste, c'est un être humain, tu vois. Et à un moment, il évolue, ses pensées changent, ses envies changent. L'énergie dans laquelle j'étais, quand j'étais matin, j'ai dit, moto et tout, je suis toujours la même personne, mais mon énergie a changé. Ma passion a changé, mes objectifs ont changé, parce que je grandis, je vois d'autres choses. Et puis dans ma vie personnelle, il y a différentes choses qui se passent. Et les choses qui se passent influent ma musique. Et je pense que si aujourd'hui j'aurais continué à être une vertueuse que j'étais avant, je pense pas que les personnes qui m'auraient suivi depuis le début auraient peut-être un intérêt d'être là parce que tu sais, un artiste a besoin de voir évoluer. Toute personne, même tu vois, même la relation avec Dieu, c'est des choses qui évoluent, chaque personne évolue. Et si j'évoluais pas, je pense que j'allais rien ramener de plus à ce que j'étais. Et c'est vrai qu'avec Yavin Z3, j'ai voulu prendre plus de risques, j'ai voulu essayer de nouvelles choses. Et puis aussi, j'ai eu l'occasion, Yavin Z2, faire un morceau qui s'appelle Sans toi, la fameuse chanson qui m'a fait aussi prendre conscience de la position que je pouvais avoir de faire un projet comme Yavin Z3. Et je pense que ouais, j'ai évolué, maintenant j'ai envie de tester de nouvelles choses, j'ai envie d'atteindre d'autres objectifs, d'autres horizons, et j'ai plus envie de faire des sons, j'ai envie de faire de la musique. J'ai fait beaucoup de sons, maintenant il faut que je fasse de la musique, puisque la musique c'est intemporel, mais les sons c'est tendancieux. Et moi je suis pas là pour être dans la tendance, je suis là pour être dans le temps. Donc Yavin Z3 toujours disponible, allez streamer ça. Sir. C'est dur, hein. Au début c'était trop dur. Je pense que les premiers mois, surtout le premier mois, c'était super dur. Émotionnellement, physiquement aussi, mais c'était surtout émotionnellement. Je pense que j'ai jamais été aussi mal de ma vie par rapport à une situation personnelle, donc c'était super dur. Dans ma relation avec Dieu, au début, j'en voulais à Dieu, je me demandais pourquoi il avait permis ça. Mais après, je pense qu'avec le temps, en évoluant et en continuant à prier, je pense que j'ai découvert de nouvelles choses et que finalement, c'était un mal pour un bien, parce que ça m'a permis de faire des choses que je pouvais pas faire avant. Donc, c'était dur au début, mais ça a été. Je pense que ça se remarque, j'ai la culture américaine, j'aime beaucoup la culture américaine, mais dans mes influences, moi, je me mets pas de limite. Hein. Je suis un gars, j'écoute de tout, style musicaux, j'ai... De temps en temps même, j'écoute des chansons des années 80, tu vois, des vieux trucs. J'aime bien, ça m'inspire, ça me permet de pouvoir prendre mon inspiration et de la développer encore plus. Et par exemple, si on parle de la drill, c'est que l'évolution du mouvement trap, en tout cas, peut-être pas dans l'origine, mais en tout cas, comment ça arrivait dans nos contrées. C'est un petit peu l'évolution, c'était un peu la suite logique. Donc, pour les personnes qui me suivaient, qui aimaient bien ce style de musique-là, il était plus naturel pour moi de faire de la drill. Mais voilà, je laisse à KG, à David Dukit, à Gaillard, à tout. De le faire mieux que moi, parce qu'ils font ça très très bien.
moi j'aime ça parce que dans ma famille on aime ça. Moi c'est parce que j'ai grandi, mes parents ils aiment bien s'habiller, ma famille ils aiment bien s'habiller, donc moi j'ai grandi dans ça. Pour moi en fait, par exemple tu vois le fait d'avoir grandi dedans, pour moi c'est pas une mauvaise chose d'être chrétien, d'être bien s'habiller. Parce que moi ça fait partie de ma culture, ça fait partie de comment j'ai été éduqué, tu vois. Donc moi je le vis bien, et ce qui est bien c'est que ça a permis à d'autres artistes aussi de pouvoir essayer de nouvelles choses, tu vois, de voir en fait qu'il y avait moyen d'être jeune, chrétien et bien s'habiller, tu vois. Donc pour moi c'est important d'être ce qu'on est, et moi j'aime bien mon style vestimentaire. D'ailleurs suivez-moi sur Instagram, j'ai des belles photos là-bas, likez ça, que c'est trop stylé. Basket, et j'ai beaucoup plus de choses dans la musique. Je ne suis pas que artiste, c'est-à-dire que je produis pour des gens, je suis DA sur certains projets, je fais vraiment beaucoup de choses dans la musique. Mais en dehors de la musique et la mode, ce que je fais, c'est jouer au basket et embêter ma mère. Concentrez-vous, faites-le si Dieu vous demande de le faire, mais soyez sûr que vous le faites parce que Dieu vous demande de le faire. Il y a un rappeur qui a dit, un rappeur en Belgique, Persona, Romano Dakin, il a dit, le rap game c'est pas un jeu, juste un jeu de mots, rien de plus gros, faut pas jouer avec le feu. Et il a vraiment raison, c'est le rap game, mais c'est pas du jeu. Il y a des enjeux spirituels, il y a des enjeux physiques, il y a des sacrifices à faire, émotionnels, mentaux, physiques, spirituels, il y a toujours des sacrifices à faire et c'est pas un jeu. Faire de la musique, vous me voyez là, c'est en train de le kiffer, mais tout le travail qui se fait derrière, vous en avez pas conscience. Et je pense qu'il ne faut pas prendre les choses à la légère. Si Dieu vous appelle à le faire, faites-le et faites-le surtout quand vous êtes prêt et quand vous avez les moyens de faire ce que Dieu vous demande de faire. Si vous savez que c'est votre appel et que vous n'êtes pas encore prêt, ne prenez pas le risque de le faire parce que vous allez vous brûler les ailes. Faites-le que quand vous êtes prêt et vous avez l'aval de Dieu pour le commencer avec tous les moyens que ça demande. Et je pense que les choses seront faites de la meilleure manière et votre don et votre talent pour la gloire de Dieu ira le jour et vous remplirez des stades, je l'espère. On est là pour la musique. Urban Gospel, meilleur média, je vous aime trop, ressource à vous, vous m'avez soutenu depuis le début et j'espère vraiment que vous allez tous et toutes vous abonner à la page Urban Gospel sur Instagram, sur tous les réseaux, suivez ce qu'ils font, c'est le plus important, et pour soutenir les personnes qui ont des projets qu'ils arrivent à mettre en lumière des gens de notre communauté, parce que c'est pas facile, on n'a déjà pas beaucoup de médias, on n'a pas d'infrastructure, on n'a pas beaucoup de trucs, donc il y a des gens qui se lancent et qui font les choses correctement, soutenez-les, ne faites pas pour nous, faites-le pour Dieu, je pense qu'il se souviendra de vos partages et de vos likes et de vos abonnements. Ok, il y a ceux qui ont des masters et ceux qui ont des mastercards, il y a ceux qui pensent être pasteurs parce qu'ils connaissent toutes les pages de la Bible en pensant que c'est le seul contact, mais je t'explique que tu peux être sur le banc et ne pas être le banc contact. Moi j'étais broke dans mes pensées, je me suis dépensé à vouloir plus d'impact, mais la vie m'a crossé, j'ai un genou cassé, mais je suis back trop intact. Il m'a fallu du temps pour que je comprenne qu'être broke c'est pas manquer de blé, c'est réfléchir en deux temps sur tous les domaines, voir que jusqu'au bout du nez. La ligne binoto.